faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Record Inter, le réseau des communicateurs pour la République qui œuvre à la culture de l'excellence, a récompensé 12 récipiendaires définis comme meilleurs artisans pour le développement et l'émergence du pays. Au cours d'un somptueux dîner gala, le troisième du genre, présidé par M. Amadou Koné, ministre du Transport, en présence de plusieurs représentants du gouvernement, des diplomates, chefs d'entreprise et de nombreuses personnalités du monde artistique. À la satisfaction des lauréats et des invités, César Bolou, président de Record Inter, a dit la motivation de son groupe à primer les chefs d'entreprise, des artistes, comédiens et musiciens distingués dans leurs différents domaines d'activité. Ce dîner gala qui a pour thème l'impact du programme social sur les populations est révélateur de ce que le Record est une organisation responsable et soucieuse de l'intérêt général. C'est pourquoi il me plaît à ce stade de mon propos de vous évoquer les quelques activités si denses et riches mises en œuvre par le Record en 6 années d'existence. Il s'agit notamment de la formation des hommes et femmes de médias sur le rôle et le fondement de nos institutions et la sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Plusieurs déclarations de presse en soutien aux institutions, respect des autorités, ont été des témoins de ce que nous faisons quotidiennement. En ce qui concerne les prix d'excellence, initié le 13, plusieurs illustres personnalités ont bénéficié de la faveur de notre public devenu en temps continental et qui sont entre autres Mme Catherine Samba-Panza, ex-présidente de la Centrafrique, pour son leadership remarquable qui a permis à la tête de son pays de réussir une transition démocratique permettant des élections transparentes, ouvertes à tous. Ce n'était ni donné d'avance, ni une évidence pour une dame qui était le feu des armes. Aux côtés d'elle, à ce premier dîner gala 2017, l'éducation nationale, Kandia Camara, a reçu le prix de la meilleure ministre de son département ministériel. Et vous savez, tout comme moi, les nombreuses initiatives et actions de restauration de l'école de Marienne sous sa feuille. Nous voulons citer pêle-mêle le ministre Lambert Amoukou, le coordonnateur du PESAC, le DG de la Société du Fort, le DG du Conseil Coton à Dakar, le DFC de la gestion et bien d'autres entreprises qui allient la démarche qualité à l'excellence. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer que l'année 2019, qui fait selon les préceptes divins l'équivalent de 3/4 avec notre troisième dîner gala panafricain et qui est placé sous le signe de la maturité. C'est pourquoi le volet social qui a été choisi pour corroborer avec l'actualité nationale autour du programme d'orateur du gouvernement, qu'il convient d'accompagner, de critiquer objectivement ce qui pourrait être perçu comme faille, mais également d'en faire des suggestions et propositions pour une approche participative pour le bonheur de tous. Telle est notre vision, débarrassée d'aspérité et de langue politicienne. Le Record, comme je l'ai déjà souligné plus haut, s'efforcera de rester neutre tout en accompagnant les initiatives du gouvernement et des autorités pour la restauration de la paix, la cohésion sociale et le développement. C'est le lieu également de féliciter les nouveaux nominés de cette année qui sont très sélects. Il s'agit, entre autres, de M. le ministre des Transports, représenté ici par M. le directeur général du CUPUS, mon frère Yami, dont les actions sociales, l'octroi de tabac, de plusieurs tabacs, de plus de 42 000 équipementiers, de motos et vélos, des prises en charge diverses pour les pèlerinages du Hajj musulman et pour les chrétiens, sans oublier les multiples parrainages pour occuper seulement la jeunesse, à qui de nombreux permis de conduire le travail ont été faits, ajoutés à ce lot des actions de sensibilisation et de cohésion sociale et du vivre ensemble du ministre Amadou Koné dans la région du Bénin, principalement à Boaké, pour favoriser l'octroi de ce prix. De meilleures personnalités leaders de la cohésion sociale pour la paix dans la région du Bénin. Oui, par ailleurs, président de la présente cérémonie,
Monsieur le directeur général, je profite de ce temps qui va nous faire pour saluer votre grand humanisme, votre sens de responsabilité également, qui ont permis une transformation structurelle de Cubus Afrique. Je vous ai vu à nous et je continue de vous suivre. Je rappelle que vous n'avez jamais ménagé l'effort pour demander à une attention particulière. Je vous en remercie. Je rappelle que dans moi-même, fils du Bergais, je suis et je sais et j'ai vu. Veuillez traduire donc au ministre des Transports toute notre estime et notre admiration pour ces sacerdotes qui vont au-delà de ses missions au gouvernement. À ses côtés, il y a un ingénieur sorti de l'École nationale des travaux publics, une STP de Yamsogo, M. Jean-Claude Boissy, directeur général de l'MPTP, représenté par le directeur des opérations techniques, je crois bien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, entre cette boîte en 1997. Il va gravir tous les échelons pour devenir le premier responsable en 2017, soit 20 ans après. Il reçoit le prix de la meilleure entreprise de bonne gouvernance de PTP pour l'émergence en succession au directeur général de l'IMS. Dois-je rappeler que c'est sous sa férule, déjà directeur des opérations, que le LPPT va être certifié ISO et apporter toute son perspective sur les grands travaux d'études techniques qui ont permis au gouvernement d'accélérer le bâtiment de plusieurs voies et procéder ainsi à des réalisations et réhabilitation et extension du pont aéroport et routier. Soyez en salle. Que dire de M. Ibrahim Jabi, co-gérant du groupe Agentis, grand maître d'ouvrage de l'investissement privé dédié au secteur de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique. À titre d'exemple, le centre de la radiothérapie d'Abidjan, c'est Agentis. Ambulance équipée, c'est Agentis. Bloc opératoire du Congo, c'est Agentis. Encore une unité mobile de la biologie en Côte d'Ivoire, c'est le type groupe Agentis. Enfin, le prochain sur d'Azopé et d'Apoisso, ce sera eux encore. Félicitations DG. Il reçoit le prix ce soir. Le prix ce soir par l'Africain de la meilleure entreprise d'investissement du secteur médical pour l'émergence. Je vous remercie au nom des Ivoiriens, Monsieur le DG. Quant à Madame Kwame, épouse Albuc, la seule dame nominée de ce jour, qui manque à l'appel, est un pur produit du cadastre où elle m'a gravi tous les échelons il y a de cela 38 ans, en 1991. Elle devient responsable de la cellule de vérification de calcul et de contrôle et de suivi des travaux cadastraux. Sous sa férule, de nouvelles mesures vont être prises depuis son entrée en tant que directrice générale le 3 novembre 2016. Des actions de sensibilisation au civisme fiscal et cadastral et à des actions d'optimisation des recettes de ses 135 services qui lui sont rattachés. Elle reçoit le prix de la meilleure direction des services des impôts en association à la DME l'année dernière. Avec à sa tête des bâtisseurs à cheval de toutes les générations, le président Koulibaly Thiébaut Yadé aura passé plus de 25 ans en tant que directeur général de la SGPC, avant de se voir confier la présidence du conseil d'administration de la SGPC en 2001, avec un passage fort remarquable en tant que président du conseil économique et social en 2013. À la tête du conseil régional du Poro depuis 2013, à la demande de ses parents, il a mis son carnet d'adresse à la construction, à la réhabilitation de plusieurs édifices et infrastructures scolaires, sanitaires et sociales du département et de la région. Décidément, Tiali, en Bengue, le président Thiébaut Mouyadi est au service du département de la région avec son DGIC président et ses vice-présidents. Ce conseil, après celui de la Bagoué et du Kababoulou, reçoit le prix 2019. C'est le meilleur conseil régional de Bagoué. Président d'Action 2020, Kader Fofana, est le plus jeune, bien entendu, le plus des lauréats, plébiscité pour recevoir le prix du meilleur leader de jeunesse pour la cohésion sociale et l'émergence, est un jeune qui a fait de la cohésion sociale partout où il passe, dans ses meetings et dans ses actions, son cheval de bataille. Et puis dire de son combat pour la socialisation des jeunes.
Pour ce qui est des artistes Michel Gou, qui ne sont pas encore là, de Magie Diesel, de Curieuse Indique et de Denis Philippe, leur test est sketch réconciliateur et fédérateur, et poignant durant leur riche carrière artistique avec le répertoire musical attrayant, on s'est vu le jury pour recevoir un prix d'encouragement dans le strict respect de la diversité culturelle et du patrimoine culturel. Et enfin, pour choisir pour ses multiples actions par le jury de corps, dont la toile en fait le coup chaque jour pour suivre ses œuvres, Hassan Hayek, que je vous demande d'applaudir. Hassan Hayek est un homme bien connu pour avoir fait du partage, du don de soi, sa disponibilité, un patrimoine au service des autres. Cela a permis notamment de ramener une fille maltraitée du poète, de réaliser des actions médicales de bonne cause et de s'investir pleinement dans l'humanitaire à tout train. Et ces actions doivent pouvoir inspirer le commun des mortels et le corps du prix du meilleur promoteur d'action sociale pour l'émergence. Monsieur le représentant du ministre, Excellence, je ne pouvais pas terminer mon propos en ne partageant pas avec vous la méditation de la Maraude, la Chaminée et des beaux nobles. Mère Teresa, qui dit, et je cite, faisons-le, fais-le quand même. Des gens sont illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-leur quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et avoir des pensées, des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois franc et honnête quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en un instant. Construis quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens pourraient l'oublier demain. Fais le bien quand même. Encore remerciement infini à toutes les entreprises et aux ministres, ainsi qu'au directeur général représentant M. le ministre. Vive le 4e dîner gala panafricain en 2020, Inch'Allah, si Dieu le veut. Vive la Côte d'Ivoire unie, rassemblée, fière et stratégique de Bagam en matière de développement. Je vous remercie. Monsieur le ministre Amadou Koné reçoit ce soir le prix spécial du meilleur leader pour la cohésion sociale de la région du Bekin. Et je voudrais que nous l'ovationnons tous pour ce prix. Je voudrais revenir sur la portée de ce prix parce que j'ai, en tant que collaborateur, j'ai eu l'occasion de parcourir avec lui plusieurs localités de la région du Bekin. J'ai eu l'opportunité de l'accompagner dans plusieurs actions sociales et de développement. Et à ce titre, je voudrais dire que tout le monde aujourd'hui peut constater que la région du Bekin, et notamment la ville de Boaké, est en pleine transformation en termes d'infrastructures, en termes d'activité sociale, culturelle, et tout ceci sous donc l'impulsion de son Excellence le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui donc ont mis en mission l'ensemble des cadres au niveau de chacune des régions pour donc poser des actes concret. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut constater que la ville de Boaké, avec toutes ses activités culturelles, avec le retour de RTI au niveau de Boaké, avec toutes ses infrastructures qui sont en marche et en train de renaître. Je voudrais sincèrement remercier le RECOR pour avoir eu le flair en adressant ce prix spécial. Monsieur le ministre, je vous demande encore d'ovation. Je ne serai pas long, je pense que tout a été dit. Le président du RECOR, qui est un ami et frère de longue date, a eu l'occasion de présenter les illustres récipiendaires, qui sont des personnalités reconnues dans leur domaine d'activité. Je voudrais à mon tour m'associer à lui au nom de M. le ministre des Transports pour adresser
mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des récipiendaires et souhaiter que donc cette cérémonie puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Vive le record et à l'année prochaine. Je vous remercie. Capitale de la joie, terre du fromager, le soleil de Zapata, ville de John Yabé, Abidjan, Paris, tout le monde connaît Kanyawaka. Tu voles pas chez toi, Douga, tu es mon gawa, chez nous à Kanyawa, on a les grands joueurs, hey, Didier Drogba, Sokora Maestro, Kade Keita, oh, Max Gradel, Franck Kessier, la fontaine des Élysées. Toi-même tu sais que moi je sais que c'est le hippolyte. Si tu passes son nom, je pense que c'est la femme. Zouglou. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Plumalé Timoko Yabé, voilà, est le président du Conseil régional du Congo et par ailleurs le PCA de la SGPCI. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on acclame. Voilà, bien évidemment sous les lumières de la RDI de voilà, vivartv.net. Voilà. Monsieur Amadou Kone, ministre des Transports, grand prix spécial du corps du meilleur leader pour la cohésion sociale et le développement de la région du Québec. Monsieur le directeur général de l'Église. Ça s'applaudit s'il vous plaît, ça s'applaudit. Voilà, ça s'applaudit. Voilà. Bien, je voudrais d'entrée de jeu féliciter les organisateurs,
J'avoue que je venais avec, je pensais quand même à beaucoup d'incertitudes, mais j'ai été agréablement surpris. Voilà, il faut louer quand même cette initiative parce que voilà des gens qui prennent le temps de jeter un regard sur la société et essaient de voir ce qui, ma foi, contribue à l'émergence de ce pays-là. Et je suis heureux ce soir que le choix soit porté sur le président du conseil régional du Poro, le président Coulibaly Tiémoko Yadé, qui fait beaucoup pour sa région. Et nous, aujourd'hui, nous rentrons très satisfaits et on voudrait vous dire merci. Merci d'avoir reconnu le mérite de ce grand bâtisseur de la région du Poro. Merci d'avoir reconnu le mérite du conseil régional du Poro. Et on ne peut que dire que nous sommes satisfaits et nous disons merci une fois de plus aux organisateurs. Je voudrais tout simplement adresser mes félicitations au Record, au groupe Record, qui donne l'opportunité à ceux qui travaillent dans le secret de permettre de se faire connaître. Vraiment, tous nos encouragements pour cette troisième édition. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous faisions mieux que ce que nous avons déjà fait. Nous vous remercions infiniment. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu et dire merci à ma mère qui chaque jour me fait des bénédictions. Et aussi dire que ce prix est le prix de l'ensemble des jeunes qui ont cru à notre combat. C'est le prix de l'ensemble de tous les membres qui ont cru véritablement à cette organisation. Donc c'est une grande satisfaction pour moi. Parmi des leaders existants en Côte d'Ivoire et en Afrique, Dieu a bien voulu que le choix soit porté sur ma modeste personne. En tout cas, c'est des sentiments de fierté que j'ai ce soir et dire que les années à venir, je pense que c'est un défi que je viens de relever et c'est un défi évidemment que cette organisation Record m'a lancé. C'est un message pour dire que je dois véritablement doubler d'ardeur. Je dois encore renforcer en tout cas l'esprit de cohésion que j'ai pour ne pas en tout cas tomber en tout cas dans le désarroi parce que c'est ce que ça veut dire. Le Record est en train de me dire vraiment de toujours rester sur la ligne que j'ai suivie. Et parmi tant d'autres des leaders de jeunesse, si c'est moi j'ai été choisi ce soir, je voudrais vraiment dire merci à Dieu et merci à ma mère qui m'a mis au monde et l'ensemble des leaders de jeunesse qui ont cru en notre mouvement qui est Action 2020. Nous sommes satisfaits. C'est la satisfaction d'avoir réussi ce pari de la troisième édition de ce dîner gala panafricain. On espère que nos convives ont pris du bon temps. Et qu'ils ont été heureux, surtout les lauréats ont reçu les prix, on est satisfait. Que vous avez découvert Ivoire TV.